إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله والتقوى ها هناك وإن أكرمكم عند الله أتقاكم والتقوى أن تكون حاذرين فيما أمرنا الله ورسوله وغائبين فيما نهاه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم خائسية سابتية الله Celui qui Allah subhanahu wa ta'ala vient faire les plus grands faveurs des iman, qui vient faire nous gagner iman, qui est un seul qui mérite adoration, c'est juste Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les mêmes nous modèles parfaits, les mêmes, c'est lui qui vient amener sa message, qui Allah subhanahu wa ta'ala vient envoyer pour montrer nous comment pour vivre. D'après sa Coran là et d'après le message de l'islam, comment Allah oulé d'imoun vivre de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala. Je conseille moi-même en premier, et si tout le monde qui peut écouter, conseille le plus grand ribadet qui appelle taqwa, ribadet du kir. Taqwa, c'est qu'il nous présente contre Allah subhanahu wa ta'ala, fin donne nous l'autre pour présent. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin donne nous l'autre pour présent. Et absent quand Allah le Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin donne nous l'autre pour absent. Taqwa c'est présent dans l'obéissance à Allah et absent dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Taqwa c'est une protection qui est un serviteur sorti, qui est mérité, qui est bizarre à faire ses défauts pour lui gagner sa protection là. Himayatun min adabullah. Une protection qui est mérité, qui est bizarre à gagner. Les bizarres faits et faux pour les mérites sa protection là. Qui protection? Protection pour bagaille, coller à Allah, pour bagaille, pinicho Allah. Ça veut dire taqwa. Et taqwa, c'est un entraînement. Taqwa, c'est pas un dimoun comme aligné avec taqwa. Taqwa, c'est un entraînement qui nous bizarre entraîne nous-mêmes. Pareil comme un iman. Taqwa, c'est une branche de iman. Iman, c'est un entraînement qui est un dimoun. Les bizets donnent lui-même. Iman, c'est un entraînement qui est un parent. Bizet commence à inculquer dans ce bon enfant des petits-petits. Et veiller. Qui balna peut agir d'après Iman, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin montrer nous. Veiller qui nous manque enfant. Un parent se dévoue pour ce bon enfant. Mais lui. Pour lui-même, ça veut dire qu'il s'y il nous passe par étape de l'enfance. Quand l'Iman, pas tu comprends qu'il y a l'Iman. Il vient apprendre qu'il y a l'Iman. Il vient apprendre parce que si ses parents viennent montrer lui qu'il est un seul être, juste Allah subhanahu wa ta'ala, qui mérite adoration.
existe Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui vous a suivre. Si ce parent vient montrer lui, si mon parent vient montrer moi, comment vous suivez ce Rasoul là? Si mon parent vient montrer moi, comment mon besoin est là dans mon quelque chose qui mon besoin dans mon équerre? Concernant l'unicité d'Allah Tawhid, concernant Allah subhanahu wa ta'ala sa capacité, concernant Allah subhanahu wa ta'ala ce décret. Comme ça même mon parent vient besoin vient finir montrer moi dans petit, concernant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa valeur et qui niveau qui mon besoin obéir à lui. Comme ça même mon devoir acheter pour mon bon enfant et qui me veille quand il saute depuis l'enfance, quand il est tranquille, il est sous mon toit, il est sous mon autorité, il veut accepter tout ce qu'il me dit. Mais après un petit moment, quand il commence, il est un peu libre. Quand nous commençons à faire les vins libres, acheter les enfants, les libres, les bonnes, comme à l'auteur, dans l'époque, c'est un petit tort. Dans l'époque, il faut que nous venions, nous ne pouvons pas sortir nous libres. Nous avons, comment dire, besoin de demander permission avec nos paroles, acheter nous. Acheter avec nos réseaux sociaux qui nous est là. Nous internet qui nous ne prenons pas de bonnes poisons, qui nous ne prenons pas de l'armée, nous avons enfants avec les quais courtants. Dans la fin de l'année là, malgré que comme vous pouvez dire, pas nous faites ça, mais combien de parents vous donnent cadeau. Bonnes enfants qui n'ont pas mérité pour une potable. Bonnes enfants qui n'ont pas mérité pour une potable. Soit disant pour l'éducation. Oui, on a bien trouvé que l'éducation ça. Mais quelle qualité l'éducation qui nous pas trouver. Qui coche les mal qui s'acquittent aux appels faire. Alors, Iman peut enlever avec sa main réseau social là ici. Est-ce qu'il nous bégaye l'occasion comme parents pour vérifier qui nous offre à lire le réseau social? Est-ce qu'il nous bégaye l'occasion comme parents pour checker qui nous offre à faire le réseau social? Est-ce qu'il nous bégaye l'état pour guetter qui qualité film qui se bégaye? Ce bégaye film aide ça, Allah qui abandonne nous. Je vais faire film, la guerre, Allah qui abandonne les autres. Mais si je vais faire film qui me sort les autres, Iman. Je vais faire film qui me fait les autres, vine athée. Si je vais faire film qui me fait les autres, vine kafir. Sans qu'ils autres connaissent. Je vais adopter un système. Je vais adopter une croyance. Je vais adopter une akida. Qui ou même après un certain moment, où trouve aux enfants, vine avec Koudja ou connaît, Allah pas existé ça. L'autre côté, que de non-musulmans. Je dis que l'Iman, ici au propre, je vais faire perdre l'Iman quand nous dévorons. Parce que l'Iman, moi, mon Iman, malgré mon vin grand, malgré mon enfant, malgré mon marié, je vais continuer de veiller. Qui fait mon besoin de veiller? Parce que le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin fait nous connaître qu'il y a des gens pour lever avec l'Iman et pour mon kafir, et pour lever avec l'Iman, ramater et pour dormir kafir, et pour dormir avec l'Iman et pour lever kafir. Qui fait nous observer nos imams parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il oblige nous. C'est lui qui fait 5 fois namaz par jour, c'est lui qui fait 6 faras par jour, oblige nous pour dire oh Allah, ihdina sirat al-mustaqim. Allah subhanahu wa ta'ala, il est obligatoire 17 fois dans 17 rakats qui est obligatoire par jour. C'est seulement nous pouvons faire aller au moins. Mais 17 fois, Allah il oblige nous, nous namaz pas côté. Un salat dit pas côté, c'est pénal sur la fatiha là-dedans. Alors, nous oblige de dire, Ihdina sirat al-mustaqim. Qu'est-ce qui veut dire Ihdina sirat al-mustaqim? C'est l'imam qui veut dire cela. Qu'est-ce qui veut dire ça? C'est un djimoun qui croit dans l'imam, qui croit dans Allah, qui croit dans le Rasoul qui veut dire ça. Qu'est-ce qui veut dire ça depuis le Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même en premier? Qu'est-ce qui veut dire ça après les prophètes et ensemble avec les prophètes? C'est un sahrabi qui vient vivre l'imam et vient mourir avec l'imam. Est-ce qu'il nous réfléchit? Qui fait Allah subhanahu wa ta'ala oblige nous pour Dimon guidos tous les jours? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Après ihdina sirat al-mustaqim. Guide nous vers le chemin droit là parce que il est facile pour perdre le chemin droit. Il est facile pour perdre le chemin droit, chers frères et sœurs. Aster, il est plus facile encore pour perdre. Et demain, il est plus facile encore pour perdre. Plus nous pouvons se écrayamat. Si vous pouvez dire chemin droit, c'est bien facile. Ben sahabi kiram radiallahu anhum, ben qui vient accepter l'islam avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans la présence du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je ne peux dire iman et je ne peux kafir. Et n'a pas mis ben sahabi qui vient accepter l'islam, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vient après Miraj,
Et n'a fin régné islam, il fin mot kafir. Dans l'époque du prophète, ça. Nous là, oui, prophète Mohammed sallam, là, avec ce même enseignement. Mais est-ce qu'il n'est pas plus facile à ce si là, d'y voir, prophète Mohammed sallam, petit présent, dis-moi qui finit accepter l'islam, finit quitter l'islam, à cause de ce droit, faire un man quitte chose, que l'islam, pas de mon présent. Je droit analyse parole du prophète. Je ne analyse action qui prouve mon sang peut aller fin faire. Et alors, je prends un grand tout ça dans l'enseignement là, puis donne-nous dans la Fatiha, après qu'il dit Ihdina Sirat al-Mustaqim. Guide-nous vers le chemin droit. Combien parmi nous, quand nous disons Ihdina Sirat al-Mustaqim dans la salat, vraiment nous sommes sortis, qu'il y a là, mobilisez-toi pour le chemin droit. Combien nous les qui est présent quand nous disons un droit ça. Après qu'il nous dit « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in » Allah subhanahu wa ta'ala jahada baini wa baina abdi. Ça lui ôte moi avec mon serviteur. « Wa lahu ma sa'al » Et ça qu'il lui demande, mon boudon lui. Combien quand il dit « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in » Peut comprendre premièrement sa traduction. Deuxième, peut comprendre qu'il nous demande un grand droit là. Et parmi les plus grands droits qu'il vient de montrer, parce qu'il ne sait même plus les plus grands droits qu'il ça. C'est un dimon pangé si mes droits l'il offrir. Nous disons, oh Allah, guide-nous vers le chemin droit, sirat al-mustaqim. Guide-nous vers sirat al-mustaqim. Qui s'en a bougé nous, qui s'en a qui sirat al-mustaqim. Allah même, subhanahu wa ta'ala, n'a pas été traqué. Nous pas fin créer toi et comme ça même nous. L'âme yachloukoum abatha. Nous pas fin créer les autres sorts qui nous donnent un guide. Nous ne pouvons pas créer les autres pour que les autres cassent la tête à la route connaît qui savait dire sur l'autre al-Mustaqim. Nous pouvons dire les autres, Allah subhanahu wa ta'ala dire sur l'autre al-Ladina an'amta alayhim. Ban qui c'est lui qui Allah vient vers sa faveur et les autres. Ça n'a pas ça, an'amta alayhim. Est-ce qu'il, comme on peut dire, mon lit, mon arrive aujourd'hui, mon arrive 48 ans. 48 ans, si mon fait la main toute longue la vie. Je fais namaz quand tu te fais combien de coups, je lis sur la Fatiha, si je cause de faraz. Si je cause de faraz, mais combien de coups je sorti, qui m'ont besoin à reconnaître, mais qui s'en a ça? Combien parmi nous, si je pose question, mais qui s'en a, Allah dit, anamta alayhim, là, namaz dit ici, là, capable de dire moi que ça m'en a ça. Nous avons sorti. Parce qu'Allah veut nous dire, oh Allah, je vais demander un doigt, je ne vais pas comprendre ce qu'il veut dire. Oh Allah, guide-moi vers le chemin droit, vers celui qui devient satisfait avec. Mais pas connaître que ça va te causer. Pas ça qui Allah subhanahu wa ta'ala. Pas que ça qui Allah vient faire sur la Fatiha, vient faire dans salat. Allah dit an'amta alayhim. Allah subhanahu wa ta'ala explique-nous que ça va l'été. Explique-nous en gros que ça va l'été. Qui ça va l'été vient Allah subhanahu wa ta'ala vient vers le favori. Allah subhanahu wa ta'ala fait connaître dans surat al-Nisa. An-Nabiyin. Man prophète. والصديقين والشهداء والصالحين من كان كان في فافير لوزوت كان في سفافير premier من النبيين من prophet tout من prophet qui vient venir Allah vient favier les autres qui favier qui nous guetter et dans nous guette la vie من prophet est-ce qu'il parmi un dévot ou un musulman qui peut dire oh Allah guide moi vers le chemin droit le ban qui domine vers favier le lit est-ce qu'il parmi un dévot ou moi pour le reconnaître mais qui favier qui te vient sur ce من prophet là. Ya Allah, qui va faire ton verset? Est-ce qu'il m'a pas besoin de connaître? Mais je demande toi un droit là, je dis toi, donne-moi pareil, comment tu donnes ma nabiyin? Mais qui te donne une autre? Tu donnes une richesse? Tu donnes une autre l'honneur? Tu donnes une autre qu'est-ce? Tu donnes une autre mot avec tout le monde qui te tout le monde qui te fait? Tu donnes une autre tapis vélo pour manger l'olari? Tu donnes une autre BMW, Rolls Royce? Qui te donne une autre? Nous allons trouver qui savent des gens qui Allah veut dire an'amta alayhim là avant qu'ils oui Allah nous donne beaucoup de choses mais c'est aussi beaucoup de difficultés. Nous allons trouver là ça doit qu'il nous veut demander tous les jours là nous veut dire oh Allah donne-moi des difficultés pareil comment tu donnes mon nabi donne-moi des difficultés pareil comment tu donnes ban siddiqin donne-moi des difficultés pareil comment tu donnes ban shuhada donne-moi des difficultés pareil comment tu donnes ban salihin. Est-ce qu'il nous veut comprendre, nous veut demander ça doit là? Non. En même temps, nous veut dire, oh Allah, donne-moi facilité, comment te faire parce qu'il te vient, te faveur, les autres. Nous allons comprendre qu'Allah, quand il veut dire, vient se faveur.
Nous devons le comprendre de façon qui Allah voulait nous comprendre, qui veut dire faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il faveur Allah subhanahu wa ta'ala veut dire qu'il est le premier dans l'université? Est-ce qu'il faveur Allah subhanahu wa ta'ala veut dire qu'il a un million? Ça veut dire non, ça aussi veut dire faveur. Mais est-ce qu'ici ça tout seul veut dire faveur? Est-ce qu'il faveur Allah subhanahu wa ta'ala veut dire que je suis le premier dans l'université, je suis un million, je suis la case, comment dire, Suleiman alayhi salam se parler. Quand rentrer, comment dire, on va trouver de l'eau. Mais seulement Iman, mon pays. Le plus grand millionnaire qui existait sur la terre, Allah, c'est pas qui est Iman. Est-ce qu'il veut dire Allah ne veut pas faire aux autres? Est-ce qu'il y a un musulman qu'on peut dire, c'est l'autre qui est Iman? Nous ne pouvons pas comprendre que ça va être un nabiyin. Nous ne pouvons pas comprendre que ça va être un nabiyin. Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est siddiqin. Siddiq. Mais siddiqin veut dire que moi, plus grand siddiqin, comme Ibn Abbas, plus grand siddiq qui existe, c'est Abu Bakr siddiq. C'est l'exemple, c'est la vie. Ça veut dire que nous devons connaître la vie pour nous comprendre qu'il faut bien aller à l'NVSC. Imaginez qu'Abu Bakr siddiq, pas de misère, de chiris. Mais c'est moi qui va vers Allah vers le Oli. Un bon moment va vers Allah vers le Abu Bakr Siddiq, radiallahu an. C'est qui se l'équipe, qui est plus grand, qui se richesse qui est là. Il a accepté de prendre tout ce richesse qui est là. Il a amené pour mettre fils à Bilillah. Tout. Pas qu'il n'y ait pas sur la case. Oui, Allah donne une richesse. Mais qui va vers, qui fait, est-ce qu'il richesse là, qui va vers là? Ou bien ça qui donne là, qui va vers là? Il donne tout de fils à Bilillah. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu a été un esclave. Bilal radiallahu anhu qui vient d'un azan, mon premier muezzin de l'islam, pour un prix qui est plus grand. Oumaya bin Khalaf Djali, je ne sais pas si tu es un grand combien soit comme toi. Je ne sais pas si tu es un grand si tu es là, tu es bête. Si tu dis à moi, plus tu guides, tu dis à moi 50 dirhams, 50 dirhams ici, moi tu peux accepter. Tu dis à moi 10 dirhams, moi tu peux accepter. Mais tu as accepté de payer comme 1000 dirhams pour lui. Il dit aussi quand on dit ça prix là, on trouve prix là-bas. Si toi tu dis à moi plus que ça, je ne vais pas casser prix pour un serviteur Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, quand il y a Allah s.a.w. descend dans mes rages. Il y a un camarade Siddiq, il va dire Siddiq là, il y a Abu Bakr. Ton camarade peut dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous ne pouvons pas dire sallallahu alayhi wa sallam, ton camarade Muhammad peut dire que dans la nuit il est en Palestine et dans la nuit il est monté dans la haut, dans la zone il est retourné. Sur la tête beau, qui Siddiq, qui fait l'église de Siddiq, qui caractéristique un Siddiq, il pose question avec Banna. Il dit Banna, est-ce qu'il peut dire comment je peux dire? Est-ce qu'il sa parole qui je peux servir là, il peut dire pareil? Bah là, dire oui, comme ça même, l'indir. Izan soddakutu. M'ont accepté. Comment il a accepté? C'est dire, veut dire, un qui connaît si sa parole prophète, il n'est pas à le vérifier si c'est pas sa parole prophète. Vous allez finir vérifier, lui. Il n'est pas dans le téléphone prophète, moi, sur salam, si c'est dans le téléphone, comment nous, c'était là, et tu as dit sa parole là? Comment tu as dit, lui? L'idée sur l'iman, sur la croyance, sur l'amour, sur la sincérité qu'il tient envers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est dire, il a accepté sans vérification, il a accepté sans hésitation, il a accepté sans analyse parole prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui fait un savant sahabi qui vient retirer hors de l'islam dans l'époque là? Je n'ai plus de sahabi et n'a pas de mot kafir. Et n'a pas retourné après qu'ils ont des explications. Et n'a pas de mot kafir. Jamais ils ne retournent dans l'islam encore. Ça va dire qu'ils ont retourné parce qu'ils ont analysé la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça même nous, Ummad Jodji, ils viennent parler comme ça. Alors si science, pas de nous qui savent vrai, nous ne pouvons pas mettre iman là nous. De l'eau zamzam, simplement meilleur zamzam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, simplement meilleur de l'eau qui existait. Et nous venons, nous ne pouvons pas nous comprendre. Est-ce qu'il a analysé? Est-ce qu'il quitte organisation internationale qui check Bandelo, il donne un preuve qui vraiment peine la malade dans Zamzam? Dis-moi, les musulmans causent comme ça, c'est-à-dire. Parce qu'ils ont analysé parole prophète. Mais tous les jours, nous disons, oh Allah, fais-nous venir commencer à dire. Hypocrisie. Hypocrisie dans ce qui nous dit, Allah, tous les jours.
Ne pas demander à Allah en réalité. C'est dès qu'on a cassé des doigts d'Allah, quand il connaît sa parole prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, peine à vous poser question. Mettez en pratique tout de suite. Astéala ici, parmi nous, capable de se dire si quand on connaît un hadith authentique, oui, astéala nous vérifier hadith ça. Comment on connaît l'authentique, livré, l'ivine des prophètes. Nous ne pouvons pas l'analyse hadith ça. Nous mettons en pratique. Nous ne pouvons pas donner un science, si pas un kafir, si autiste vini, 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 oui. Il est comme ça. Il est comme ça, comme ça, comme ça. Allez, là, nous trouvons un preuve. Là, on dit, ah, vrai, prophète, moi, amis, cause vrai. Nous ne pouvons pas donner un moulin au dos, trouver écrit Allah, là, nous pouvons accepter l'islam. Ça n'a pas trop de pas caractéristiques qui nous demande Allah, ou Allah guide nouvelle chemin droit. Ça, ce n'est pas chemin droit, ça. Ou à Shuhada, ben qui finit dans notre la vie. Ben qui finit dans notre la vie, à cause Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, nous ne sommes pas capables de donner un tigit l'état pour nous faire salat. Nous ne sommes pas capables de quitter nos lili un tigit pour nous venir dans la masse fajal ramatin. Nous ne sommes pas capables de cause jihad. Fils Abilillah. Shuhada, basis jihad, fils Abilillah. Shuhada aussi, d'après mon tafsir qui explique ce shuhada là. Shuhada veut dire, c'est lui qui témoigne contre la justice. Comme Allah subhanahu wa ta'ala fait connaître dans Surah Baqarah. Nous venons avec toi, shuhada, à la nas. Shuhada témoigner qui ça veut dire djibouté contre la justice, témoigner qui ça qui se chose pas comme ça, quand on a des causes contre le prophète, nous causer que nous montrer les contraires, nous montrer la vérité qui était. Shuhada, ça ici c'est une façon de djihad ça. Abdel djihad, comment nous dire, c'est quelqu'un qui est capable de causer avec un oppresseur, un chef d'état qui est oppressé et venir des causes avec lui, de raisonner avec lui. Ça, djihad. Djihad aussi prend nous l'écho, nos richesses, nous la vie. Nous l'étant, nous accepter rester au lili. Nous l'étant, nous accepter d'y assiser avec réseau social qui est un kafir, pour prendre nous l'étant. Nous accepter assiser devant la télévision, pas comme elle est étant. Et nous pas qu'on comprend sous la Fatiha. Que nous était. Ban l'un bien plané, ban là ban l'Occident, ban kafir, ban l'un de l'Islam. Allah dans sous la Fatiha nous fait nous connaître qui s'en a qui vrai dans de l'Islam et qui s'en a qui nous besoin pas suivre et nous trouver ça même ban là qui nous poursuivre. Si nous comprenons sous la Fatiha tout seul, à cause ça qui le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait connaître qui sous la Fatiha c'est lui qui saisit ça tout seul, qui descend, un dimanche qui peut vivre sur l'Islam complet. Il a tout aspect qui existait concernant l'Islam dans sous la Fatiha. والشهداء والصالحين صالحين بن بو جيمون صالحين بن جيمون كي في tous les efforts possibles premier quelque chose qui passait la loi Allah lo avant la loi prophète avant ensuite des autres quelque chose qui vient après c'est là pour faire choix entre l'islam et moi-même me faire choix l'islam c'est là pour faire choix entre l'islam et mes enfants me faire choix l'islam ça صالحين Hasolihin. Sa quatre là, il mentionnait. Là, le plus, il y a un quatre là, il décriait qui s'abandonne été. Ribadur Rahman, un quatre là, il expliquait qui bonne qualité qui se dit dans sa bande du monde. Est-ce qu'il nous a la peine? Par le pro sur la Fatiha, sur le tafsir. Par le coupro qui nous dit, mon Allah. Malheureusement. Si vous faites un talent, vous prenez un cahier, vous avez cause vraie. Mettez un right. Tout le monde qui, au moins, qu'une traduction sur la Fatiha net complet, traduction en créole. Au moins, mettez un raid. Monsieur Noubougay, il n'a pas mis quand je te dis, il n'a pas mis quand je te dis, il n'a pas mis quand je te dis. Cette traduction aussi, nous ne connaissons pas. À cet abscisse, l'explication. À cet abscisse, qui ne peut faire, qui se grandit sur la Fatiha là. Nous ne connaissons pas. C'est l'autre, le mustaqim. C'est mes droites. Alors, si vous prenez un fait connaître, donne-nous si mes droits demandent qui te gagne faveur. Si Allah t'arrête la même, nous dit correct. Mais Allah, si vous prenez un coaching, la Surah Fatiha, pour montrer nous qu'il y a un groupe de monde qui Allah vient en colère avec Zout, vient en colère avec Zout, vient égaré. Ça m'a dit, nous, là, alors nous ne sommes pas gays, pas proches de notre chemin. Khaïdin Mardoubi, alayhim wa la dolim. Maintenant, nous guettons la vie. Et nous guettons la vie, chers frères et sœurs. Nous trouvons nous. Ne pas poursuivre celui qui anam ta alayhim. Nous ne pas poursuivre celui qui Allah fait faveur aux autres. Mais nous poursuivre
aveuglément ou bien même plus encore, nous pouvons suivre avec propre conscience. Et plus encore, nous pouvons défendre nos istènes. Nous pouvons suivre ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, c'est pas ça qui se met droit. Ban juif et ban chrétien. Qu'oubli qu'oubli hada, wa astaghfirullahu li wa lakum, wa isani muslimina min kulli dhamm, astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اهدنا الصراط المستقيم C'est un droit que nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala pour guider nous vers le chemin droit et nous fin apprendre aujourd'hui si nous pas te connaître alhamdulillah nous connaissons aujourd'hui mais pas être la même à lire ban histoire ban prophète à lire ban histoire ban siddiq à lire ban histoire ban shuhada à lire bande d'histoire bande meilleure d'immun qui vient exister à lire bande d'histoire bande meilleure d'immun qui existait actuellement aussi qui peut accepter de notre la vie à cause d'Allah qui peut accepter de notre la vie pour défendre bande quelque chose qui nous est défendre qui peut accepter de notre la vie notre richesse notre l'état qui peut accepter de nous exister lire bande d'histoire avant quelque chose ça va nous connaître qui qualité qui bande qui nous veut dire Allah vers soi vers nous et en même temps connaît qui l'ennemi qui nous peut oublier lui, je ne peux pas oublier nous. Je ne peux pas oublier nous. Nous peut trouver, je peux montrer nous ouvertement. Ouvertement. Ben mouchrik peut montrer nous ouvertement qu'ils sont l'ennemi qui s'en a. Ben juif peut montrer nous ouvertement qu'ils sont l'ennemi qui s'en a. Ben chrétien peut montrer nous ouvertement qu'ils sont l'ennemi qui s'en a. Ben musulman peut montrer nous ouvertement qu'ils sont camarades avec qui s'en a. Malheureusement. Nous, nous camarades avec Zod. Nous, nous suivons Zod. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait connaître. Tu peux suivre un peuple qui vient avant toi. Shibron, bi Shibron. Papa ou pas. Ziroran, bi Ziroran. Tu peux suivre Zod, papa ou pas. C'est ce qu'il rentre dans un trou d'aube. Je rentre dans un trou. D'aube, je rentre dans un trou et je rentre dans le même trou pareil. Tout le temps, quand arrive près l'année Noël, musulman, Djimoun qui djiboute le mimbar, ou bien n'importe qui m'en cause, vous vous êtes dit, qui ça, pas nous fait, pas nous l'année ça. Moi, j'ai envie de trouver, Inch'Allah, un moment qui fois, qui peut arriver une année, pour arriver une année que personne ne vous a dit, pas nous fait ça. Nous, vous trouvez musulmans, qu'on ne comprend pas nous fait ça, Inch'Allah. Mais c'est moi, ça, c'est faux là, chers frères et sœurs. Ça, c'est faux là, c'est nous, comme parents, qui commençons ça. Ça, c'est nous qui inculquons dans nos enfants pour qu'ils aient une bonne asile de demain. Je connais qu'ils aient parents parce qu'ils font ça qui chose. Ils aient parents parce qu'ils donnent l'importance à des juifs, des juifs, des chrétiens, des mouchriques. Je vous dis qu'ils n'ont pas nos parents parce qu'ils font ça parce qu'ils ont des parents là, ils ne font pas ça, comment dire, et qu'ils ne font pas nous faire, 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 pas nous faire. Non. Ils disent non, explique-moi qui fait et pas faire. Inexpliquement sur la Fatiha, quand Allah indira il mardoubi alayhim wa la dolin. Pas suivre, n'oublie le chemin des bannes chrétiens et bannes juifs. Bannes qui viennent coller Allah, c'est bannes juifs parce qu'ils connaissent la vérité, mais ils ne peuvent pas l'accepter la vérité. Bannes chrétiens, c'est qu'ils suivent les gourmands avec sincérité. Ils sont sincères dans les gourmands qu'ils peuvent suivre. Mais ils peuvent croire comme ça. Il nous dévoue pour faire connaître la vérité. Mais c'est mal, il pas nous dévoue pour nous suivre. Il aussi nous dévoue pour nous mettre en garde. Pour nous connaître l'attaque. Parce qu'ils ont l'attaque, je ne sais pas si il y a un tracas. Pour faire nous une misère. Je ne sais pas si il y a un tracas. Au contraire, je ne sais pas si faire nous une risque. Pour moi, il y a haram. Au contraire, je ne sais pas si nous gagner l'honneur. Pour moi, il y a haram. Au contraire, je ne sais pas si nous gagner beaucoup de choses. Qui nous sortit ça, comment dire, ça même faveille ça. Facilité. Mais seulement, je ne sais pas si je vais être à tout ça là. Je ne sais pas si je vais être à cas pour tirer ça imana dans nous le cœur. Je ne sais pas si je vais être à pour diviser ça au matelas. Je ne sais pas si je vais être à cas pour finir ça musulman là. Comment pour finir ça. Qui malgré ça connaît qui est vrai, qui ne sait pas pourquoi pas finir ça.
Parce que le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait connaître. Sa'altu Rabbi salas. Je vais demander à mon Rab trois doigts. Fa'ajabani ithnain. Il vient répondre moi. Ça veut dire qu'il répond moi. Il accepte des là-dedans. Et il ne va pas venir répondre un là-dedans. Je vais demander à mon Rab. Que, oh Allah, pas laisse l'ennemi. Pas laisse l'islam disparaître l'autre la terre. Un seul coup net. Allah subhanahu wa ta'ala vient accepter. Je vais demander à mon Rab. Oh Allah. Palais l'ennemi à capot, tout le monde dit mon jet iman et tout le monde musulman qui est là, jusqu'à peine un vrai musulman, au moins pour un groupe musulman qui vous reste vrai, qui vous reste la vérité, qui vous reste sincère. Allah vient accepter ce droit-là. Mais droit qu'Allah va venir accepter, pas les autres divisés en firaq. Divisé 72, 73 parties là, ça peut être là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a garanti que l'islam ne va pas disparaître jamais. Et ni l'ennemi pour capable, n'importe quoi ça qui l'ennemi pour attaquer. N'importe quoi ça. Par contre, c'est pas musulman de Maurice Conné qui peut arriver dans l'un à ce tiers-là. Peut finir comment se faire plan, comment pour attaquer musulman dans l'un. Peut finir attaquer. Mais peut finir faire corps réfugié. Peut finir faire corps concentration pénitentiaire. Pareil comment une fait dans la Chine. Des millions de musulmans. Peut souffrir à cause de ce dernier kalima la ilaha illallah. Est-ce que quelqu'un parmi nous dans Maurice nous a dit, nous devons dire encore qui a besoin de faire salat là et quelqu'un a besoin de faire salat? Mais c'est pas là, ici nous parmi nous. Est-ce que quelqu'un a besoin de nous pour appeler Mohammed dans nos lacs de naissance? Dans la Chine, nous comme ça. Est-ce que quelqu'un a besoin de nous pour sortir un pas, un bout de pas, Coran? Pas juste un bout de passe Coran, un bout les chrétiens arabes. Quand même, il y a un Coran, un dossier arabe. Il y a un coup de frais, il y a un bâti, il y a un tuyé, il y a un tautier. Puis arrivé dans les autres jours, ça. Un bon imam cher qui me causé actuellement, il dit, les temps, il y a un problème qui peut arriver dans sa place, la Chine là. Nous m'asin, Bilal, radiallahu an, le désir. Nous t'y pensons que ça, l'époque là, c'est dans l'époque avant prophète. Quand le propre Sahabi qui vient accepter l'islam, peut dire d'autres régner l'islam. Mais connaît qui accepte là, ça événement là, peut retourner et finir retourner. Prends d'autres mettre dans mon corps, jusqu'à qu'ils aient accepté pour dire qu'ils payent un seul Allah. Mais nous connaissons, alors subhanallah, ça finit d'un permission, même pour saper la vie avec les cœurs gros. Accepter, mais c'est pas malgré ça, beaucoup nous bons frères, nous bons sœurs qui cessent dans la Chine. Accepter l'amour, mais je pas dénié. Je ne continue à dire, pareil comme Abila, tu dis Ahad. Je ne continue à dire qu'ils sont la ilaha illallah. Et puis commencer dans l'aine. Il finit avec corps réfugié. Il finit avec corps pour me pénétrer, ça veut dire pareil. Pour propre aller. Demain, ça se grand zolim, qu'appelle Maudjila. C'est les vignes dans Maurice là, combien parmi nous qui vous disposez d'y bouter, au moins pour vous dire qu'il n'est pas bizarre dans Maurice un dimon comme ça. Monsieur, il y a bien ticket pour dire pas nos problèmes ça. Bien ticket qui vous dit bouter. Mais c'est ça jihad, c'est ça l'islam. Bizarre capable d'y bouter, empêche de rentrer, bizarre capable de faire quelque chose pour ça, un dimon dans la Chine là. Au moins nous la voyons. Au moins nous réseaux sociaux qui nous payent GPS, il est temps. Pour acheter un produit haram avec Dieu, pour faire quelque chose haram. Nous postons quelque chose qui vraiment peut montrer la vérité qui était. Et là, il y a un journaliste qui parle bien M. Allah, qui a iman, qui a accepté l'amour pour montrer la vérité. Et là, il y a un frère qui a accepté l'amour pour aller, pour aller pour essayer des fans, pour aider, pour aller manger boire au moins. Mais connais ce qui nous veut dire, connais. Qui nous, dans Maurice, appelons-nous Tchotebarat. Imagine ça bien. Tu arrives dans le grand barat là-bas, pas croire qu'il doit tuer barat pour le loin. Est-ce qu'il musulman prépare? Nous ne pouvons pas dire plus grand préparation. Prépare ça qui est là. Prépare ça qui est là, frère et sœur. Prépare les qui est dans les enfants. Nous encore restons dans l'éthargie. Malgré ça qu'il nous peut dire ici, capable de payer qui chaud au moins, mais seulement nous peut dire ali. Arrête, reste dans l'éthargie. Connais. Qui, Saban Dimoun là, je ne suis pas content musulman et je ne décide.
pour finir, je vais croiser pour finir musulman. Si je commence dans l'aine, quelque chose pour commencer dans mon risque. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, mais il y a des gens qui connaissent. Il y a un événement, un événement, il finit de commencer dans mon risque. Alors, si nous vous préparons nous avec nos iman, parce qu'il existe Allah qui peut aider nous, pour nous capables de tenir ferme. Pour nous capables de tenir ferme comme un salihin, comme un prophète. Pour nous capables de tenir ferme, nous sommes droits qui nous demandent Allah subhanahu wa ta'ala, ou Allah guide nous vers le chemin droit. Parce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait connaître par arriver à l'époque dans mon ummat, que pour vivre dans le chemin droit là, les pareils comme un pétrap la braise dans tout l'ami. Mais nous avons courbé penser qu'il nous a loué ça. Il finit d'arriver ça. Musulmans, vous avez cassé le sommeil. Musulmans, vous avez cassé le sommeil. Moi, je vais prendre un homme à la guerre, c'est là, non, pas de prendre ça. Mais au moins, retourne vers Allah. Retourne vers Allah. Retourne vers quelque chose qui vous fait gagner la force, comme Al-Barra Amid Malik. Retourne vers quelque chose qui vous fait gagner la force, Al-Barra Amid Malik, qui fait une mention de ça, nous là. Qui fait beaucoup de pantalons de ça, nous là, jamais dans la vie. Al-Barra Amid Malik, je suis déjà à côté ici. C'est parmi les Sahabi qui ont l'offre tout le temps, premier côté à la guerre, premier. Al-Barra bin Malik, les types Meg. N'importe qui s'en a dit, vous êtes ici, Meg, pas pour appeler Meg qui est. Les Meg. Vous avez bâti pour faire bodybuilding. Les types extra Meg. Ça sape l'épée qui est, les types plus loup qui est. Mais c'est même dans le jihad, par la paix, Mishwallah. Les mêmes premiers. Al-Barra bin Malik, les mêmes qui nous verrent. L'apôtre, frotte l'apôtre. Carosul, comment Bilhas, Carot de Rome, sa barrage qui mettait sa carosul qui est dans la protection, la citadelle. Là. Un gros lapote, ça. Lapote dirigé par 13 hommes côté droit, 13 hommes côté gauche. Sef, qui s'en a pour aller. Les diamants pour aller. Ben, non, tu vas pour aller, tu vas pour aller. Les diamants pour aller. De l'autre pour aller. De l'autre, ben, ça va plus pour être dit. Monte les épaules, il monte, il saute sa miraille là. Il rote hors d'or, il tout seul. Il a guerre avec tous les 26 Zimoun. 13, 26. Il est ouvert à la porte. Là, qui 13 Zimoun, 26 Zimoun, il a ouvert, un seul Zimoun ouvert. Qui l'a fait ça? Allez sur l'histoire d'Al-Barra bin Malik. Al-Barra, Mazine Banzenes. Je dois vivre comme vrai héros de l'islam. Je dois vivre comme vrai Ban Zimoun qui est dans la fosse. Quand c'est la fosse, là, c'est aussi. Allez sa Ban Shuhada à la zone de la vie. Allez à Salihina de la vie. Allez à Al-Barra, Mazin Sono, Al-Barra bin Malik. Al-Barra bin Malik, Anas bin Malik, ce petit frère. Allez à ces histoires. Je vous gagne choc quand c'était la guerre qui finit la guerre, qui c'était avec qui ban l'ennemi qui lui fait face, et qui grandit le tchété, et qui grossit le tchété. L'islam, il arrive là, pas dire nous besoins, comment dire, reste, comment dire, mouton même. L'islam arrive là pour nous montrer nos bonnes enfants, nos vraies images de l'islam, parce qu'il va nous cacher de nous. Nous ne pouvons pas faire nos bonnes enfants une révolutionnaire, mais faire nos enfants une musulman, faire nos enfants une musulmane, faire nos enfants une mu'min, faire nos enfants une salihin, faire nos enfants une siddiq. Faire nos bonnes enfants, faire nous vivre comme ça. C'est ça que l'islam peut demander actuellement. Là, nous devons descendre. Nous arrivons en ville l'année prochaine. Nous espérons qu'il nous sauve une mentalité. Nous sommes, nous fassons penser, nous commençons à retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, connaître qui c'est que fait namaz, tant que nous avons coupé que c'est que fait namaz, nous avons loin avec sa réalité là. Parce que c'est que fait namaz, comme je disais, c'est fini l'autre ça. Là, il y a cause de qui se plie, autre qui ça là. Mais seulement, nous, malheureusement, au mat Maurice, nous avons loin avec c'est que fait salat. Rabbana atina fi dunya hasana, wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم انصر المجاهدين والمستضعفين في كل مكان اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في كل مكان اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم دمر من يريد السوء لأهلك يا رب العالمين اللهم من يريد السوء للإسلام وللمسلمين في كل مكان في الهند وفي باكستان وفي العراق
وفي كل مكان وفي فلسطين يا رب العالمين وفي فلسطين يا رب العالمين وفي بلاد الشام وفي كل مكان يا رب العالمين أنت تعلم ونحن لا نعلم اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قوموا لصلاتكم يرحمكم الله